Salam alaikum, mes olévas. Donc, avant de commencer, j'ai envie juste de demander s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. Ça fait à peu près, disons, à peu près 4 jours. Donc, j'ai constaté que l'option est dès que tu as partagé les vidéos, parce que, bon, quand je fais une vidéo, tu as la vidéo qui est partagée. Donc, j'actionne le truc partagé. Et généralement, il y a une liste, t'as mes amis, donc email. Ensuite, il y a la liste ADEC, puis j'envoie tous mes amis, et puis voilà. Alors que maintenant, quand j'appuie sur partager, j'ai ADEC la fenêtre référale, la liste à mes amis. C'est-à-dire que j'arrive pas à partager donc, les vidéos, je suis obligée de prendre l'URL, de le copier, puis de l'envoyer par courriel. Et souvent, j'aime pas utiliser cette méthode parce qu'en fait, je l'utilise très souvent quand il s'agit de quelque chose vraiment d'important. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'importuner certaines personnes. Bien que, bon, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce que je vous envoie. Hein. C'est-à-dire, moi, je reçois pas mal de vidéos. Quand j'ai pas envie de les voir, je les vois pas. Bref. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets que je voudrais traiter parce que c'est très intéressant. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites. Comme j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. Donc, avant de commencer, je vais juste parler de. C'est vrai que par rapport à la dictature, il y a pas mal de personnes qui disent, par exemple, que non, n'est pas prêt pour la démocratie. D'autres vous diront, on mérite carrément pas la démocratie parce que on n'est pas mûr, machin, etc. C'est-à-dire qu'on est tombé un peu dans le. Qui donne l'œuf? Est-ce que c'est la poule qui donne l'œuf ou l'œuf qui donne la poule? Donc, c'est comme si que on dit non, il faut d'abord être mature pour mériter la démocratie, pour être démocrate. Et pour être mature, en fait, il faut se libérer. Il ne faut pas être sous un ostracisme, sous un régime dictatorial. Il faut libérer l'école. Donc, c'est ça, c'est un cercle vicieux. En fait, on n'arrive pas à le désamorcer. C'est ça le problème. Et moi, je sais que ce problème est éminemment politique, bien sûr. Mais parfois, c'est vrai qu'il n'est pas. Que nous avons également notre part. Je veux dire que la remise en question, etc., est importante, notamment pour les personnes qui ont la capacité de se. Comment dirais-je comme par exemple les personnes qui vivent à l'étranger. Bon, bref, je vais revenir à ça tout à l'heure. Je l'ai dit déjà quand j'avais mon ancien compte, par rapport à la dictature, en fait, en chacun de nous, j'ai l'impression qu'en chacun de nous, il y a un dictateur qui sommeille. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez constaté, par exemple, dans les partis politiques, certainement, faisiez partie éventuellement d'un parti politique ou d'une association. Hein. Moi, j'ai dernièrement fait même partie d'une association ici, avec des Algériens et tout ça. C'était pour le bien de la culture algérienne, etc. L'association a explosé, qui m'a un Big Algérien quand ils ont parlé de ça et tout. Elle a explosé pour des considérations de. Je dirais des mésententes vraiment d'ordre de zahémisme en fait. C'est-à-dire que dictatorial, c'est-à-dire que la présidente elle agit de façon unilatérale sans nous consulter, sans. C'est ça, c'est-à-dire que le Wahed il essaye de s'affirmer d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans un. Kima ourit lkoum la photo ta Nmel hadik. C'est-à-dire on s'inscrit pas dans un esprit de groupe, dans un cadre, c'est-à-dire que kul wahed yfred nfsou. Kima qala Hchicha dernièrement, il a parlé de cet égocentrisme de l'ana. Kul wahed yhouss kifach yfred nfsou. Et dans les partis politiques, par exemple, certains d'entre vous ont dû peut-être le remarquer, ou dans des associations aussi, c'est que dès que vous émettez un avis contraire, un avis qui a tendance, disons, à s'opposer, pas dans le but de s'opposer, c'est-à-dire c'est pas le but, mais juste parce que vous avez un avis critique par rapport à quelque chose. Tim, vous êtes montré du doigt, vous êtes pointé du doigt, vous êtes montré comme étant quelqu'un de suspect, un ennemi, quelqu'un qui est contre Zaim, surtout quand vous vous opposez, parce que d'ailleurs, il y a les partis politiques qui Qararna, ça veut dire Zaim, le chef du parti, c'est lui ou Wakulish. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est dissident, ou l'autre, hop, tum tum, il voilà,
يبداو يبنيو له زعما كوم سي كي لا في دي شوز وبداو يلصقوا له زعما alors que c'est pas vrai. Puis après, il est évincé. Quand il est évincé du parti politique, parfois on le passe sur le conseil de discipline, soi-disant, il te ferme au binetum. Rcham Hmida ou Laab Hmida, même dans les partis politiques. Donc c'est une forme d'exil. C'est qui aura le pouvoir t'ana quand il exile quelqu'un ou là il l'assassine ou là, c'est la même chose. On le diabolise ou là. En tout cas. C'est vrai, quand je parle de notre pays, cela n'est pas forcément juste valable chez nous, en fait. C'est-à-dire que quand on voit l'étranger, par exemple, qui m'a. L'USMA 31, il a fait une vidéo, il a dit tiens, Barkaouna Matahadrouch, elle a eu le Saraf 90, ou à côté d'Arbo, ou le Djerharahou Mazalit Hallou. Je pense qu'au contraire, je pense que Ness, on a été privé d'expression depuis Chhal. Donc, au contraire, sur YouTube, Darbo au début, Metfahmo, Chouhadi, mais Blakal Blakal, ailleurs, c'est 200 ans, en Occident et tout ça, c'est 200 ans d'exercice en matière de démocratie. Et encore, parfois, ils se disputent dans les plateaux de télé, ou Tsaram Mebenatom Yani. Et alors qu'en Occident, à l'école, c'est-à-dire que la démocratie commence à s'imprégner à l'école. Quand on fait le conseil de coopération à l'école, le conseil de coopération, c'est un mini parlement. C'est-à-dire que une fois par semaine, le professeur, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il invite les élèves à se regrouper. Ils ont une espèce de bâton, un bâton magique. Il le prend, c'est un bâton à la parole. Ou il a un micro, ou là, je ne sais pas. Ou il s'exprime. Par exemple, Fadik, la semaine, il y a quelqu'un d'Arab Sahbo. Le voilà, tu m'as bousculé tel jour, j'ai pas aimé, je demande réparation. Ou avec les drabou, la tabou, là, il y a tel ou tel une réparation, c'est-à-dire il dit un dessin, ou les délos, il dit le vendredi qu'il n'y a pas joué, il dit une lab mac, c'est-à-dire il te fait un mot, bien attendu. La culture du dialogue également dans la discipline, dans l'oral, par rapport au langage et tout ça. Ça commence dès la garderie. Donc, le débat, on fait des petits mini-débats, on les organise, on invite les gens à parler. Quand on fait une lecture, par exemple, on demande aux élèves de s'exprimer, de donner leur avis, etc., etc. C'est vrai que par rapport aux Algériens en général, même par rapport aux enfants, c'est vrai qu'on a des valeurs et tout ça qui ont été transmises par nos parents. Mais elle t'a dit que l'aqliyat, t'as fait le srir, par exemple, تفكرني فاديك تاع ابو بكر الله يرحمه يقول له يا ابني يقول له انت صغير نعطيك درهم صغيرين يقول له يا بابا اعطيني دورو يقول له انت صغير نعطيك درهم صغيرين يعني هادي جبتها بوغ لي بارون جينيرالمون يقول لك انت بزت توري لي كيفاش انت يا داير قد ودني انت البارح ولدك يقول لك بلع فمك. C'est-à-dire que l'enfant, on le considère maintenant, c'est-à-dire à l'intolérance par rapport à la femme, également par rapport à l'enfant. Alors, je pense que si on a envie de changer les choses, il faut commencer par l'enfance. Il faut complètement abolir réformer tout le système éducatif. Quand je parle du système, ce n'est pas du bricolage. C'est-à-dire qu'il faut réformer, y compris la formation des enseignants qui doit être universitaire et non affiliée à l'école normale. Bon, bref. Je vais juste parler d'un... Bon, l'éducation, je vais essayer d'y revenir plus tard pour répondre un peu à Mimi Monir, une vidéo très intéressante. Anna, par exemple, Anna sur YouTube, il y a des personnes bloquées, ils m'ont bloqué, je ne peux plus leur faire de commentaires. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, je vais aller sur le burqa, USSLM, Dara. Je vais faire des commentaires, je vais aller voir ce propriétaire de cette vidéo vous a bloqué. Oh, j'étais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi m'a-t-il bloqué ce type? Bon, il a le droit de me bloquer, je ne dis pas le contraire. Puis quand on entend des gens parler de, y compris Algériens, kif, béni ou béni, ouvrez le khair, béni maintenant. Mais, peut-être les commentaires mal polis, mal élevés. Je lui posais des questions par rapport à la Libye, bien sûr, il y a bloqué, c'est-à-dire subitement, moi quand je bloque des gens, je ne veux pas bloquer les gens, le fait qu'on a été privé déjà. On n'a jamais eu d'espace d'expression, ni la télévision, ni Wallo. Tout le monde sait qu'on a une royauté.
كي نبلوكي واحد سبني نقول له طيح لي ولا نقول له قول له فوالا جيت بلوكي باسكو تحوست عليها فوالا انا بلوكيتك باسكو انا لا شارت ديالي ما فو ما طيحليش و سادير جافيز لا بيرسون je je il y a des personnes par exemple qui m'embêtent qui m'écrivent des commentaires tout le temps ils ont même fait le profil ديالي وعلى ما جاوبتيناش parce que c'est une question de temps j'ai pas le temps de répondre à tout le monde ils me harcèlent en quelque sorte mais je les ai pas bloqués pour autant ils font des commentaires ils sont dissidents ils sont contre mon avis ça je les laisse s'exprimer l'essentiel c'est que cela se fasse dans le respect d'ailleurs j'ai salué la khot Aljeriagov qui justement il donne la parole à ceux qui sont contre lui, à ceux qu'il critique, à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre. Mais allez, c'est pas en bloquant quelqu'un ou là tu vas le museler ou là que هذاك الانسان يبقى يعني حتبدل الحاله. يعني بيناتنا on est intolérant. كيفاش حبيتو زعما on demande ou هاد الناس زعما يدمونديو la démocratie ou critique la laïcité dogmatique et fanatique. C'est ça qui est révoltant en fait. انا اللي راهم في البلاد parfois je les trouve plus ouverts que اللي راهم عايشين في الغربه يعني détrompez-vous زعما واحد عايش في الغربه زعما il est parfois c'est les plus dictateurs اللي راهم في الغربه donc ça veut pas dire يعني وكاين ثاني واحد العقليه bon je sais pas si j'aurai le temps peut-être que je ferai une autre vidéo كاين واحد العقليه كانت واحد الفينومين انا j'ai remarqué quelque chose stigmatisme هذايا ou la catégorisation et être catégorique qui met par exemple qui نهضر زعما على قدافي وعلى البرينسيپ تاع لا غير تاع ce qui se passe en ce moment ou l'attaque تاع la Libye تمتم يقولوا لي وي قدافي مجنون وقدافي مهبول كي savoir قدافي مجنون و لوطون كي débarque في الاخر هما اللي ديكم يقولوا لي سي كوا لو ليان كي هضرت على الشيعة لي شيعيت قلت فوالا علاش الحكرام بارابور شيعيت وهادي يعني لو برينسيپ ديال الريسبي كيما قلت لكم هنا لي زونفون يديو الموس معاهم للمسيد لو كيربون اي لي توليري بار لا لوا قانون انا نهار سمعت كيربون خلعت قلت كيفاش يدو موس طفل صغير يدي معاه موس للمسيد سي غراف هادو ما سي لي سيك سون با مسلمان دونك انا غير نبغى نقول و اون بليس كان افوكا جويف هذايا اسمو الافوكا تاع لي دووا دو لا بيرسون هو اللي دافع على لي في داروا الحجاب على دافع على لي دووا كامل تاع بون بريف باش ما نطولش عليكم يعني جا واحد يدير لي في الكومونتير ويقول لي الشيعة فيهم هكذا وفيهم كذا وي سون مع 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 الصهيونيين وي سون سوسي الحمال ديك انا نهضر على حاجه تجي تقول لي الشيعة فيهم والشيعة فيهم كيما dernièrement في لا راديو هنايا داروا زعما اون ايميسيون سور البرقعه Alors l'animateur, il a précisé, il a posé une bonne question. Qu'est-ce que vous pensez de le canon, leader en France, le canon. Qu'est-ce que vous pensez de la loi, les charges, une femme doit payer au 600 euros, je sais pas d'amende ou aidé. Quel est le téléphone à ouvrir pour une quinzaine de personnes ou une vingtaine? Un grand zouj, les jobs est sous elle. Elle parle quel? Ils ont parlé d'autres choses. Un dit que non, la burqa c'est anti-islamique. La burqa c'est pas ceci, c'est du fanatisme, c'est ce. Ou je dirais le fanatique ou le machin islamique. Ouais, il dit le nom. Est-ce que tu as le droit de mettre ou les deux ou la bintak tu as ça? Zama, tu vas la confier à une femme qui met le burqa ou. يعني ما ما فهمتش. انتوما تهضروا على حاجه الاخرين يهضروا غير واش دخل قدافي مجنون واش دخل هذا البرقع اسلاميك ولا با اسلاميك حنا نهضروا على البرينسيپ يعني قانون اسكو تقدر تخرج قانون على مش عارف 60 انسان دايرين بركاز على سوا ديزون ولا لايسيتي تولي يعني سي ان توكا ديرنييرمون يعني باش نعطيكم ان موديل برك درت اون فيديو على منانوك اللي تي دون البيزوان باش الناس تعاونو كاين واقيلا 4 بيرسون واحد كتب لي قال لي سب ربي قال لي علاش درتي الاخر تاعو واحد علاش تبعتي لي الفيديو تاعو مازالتيش تبعتي لي وباتاتي واحد اخرى قالت قالت لي ما زلتيش تبعتي لي وهو يطيح ولا ما عرف واش بون بعث لهم الناس لا فيديو ما شفتهاش كامل يعني سي كوم سي كان غدوه نروح نصدق ولا كلكان اي مي دوموند دو ليد مون فوازان ولا نيمبورتو كي نروح نسقسيه نقول له عطيني لا كارت ديدونتيتي تاعك قبل نشوفك واش تكون كاين ميم ناس يقول لك ما تصدقش باسكو هذاك ما تجوزش الصداقه ماشي مسلم وما عرف واش
C'est comme si un médecin ne doit pas soigner tout le monde. Il doit demander la carte d'identité à quelqu'un pour le soigner. Je vois la femme qui est en train de faire la vidéo.